Ouais. Pour moi, ouais. Et que moi. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Mais bon, c'est une nana qui essaye de se contrôler, de se canaliser. Mais elle a énormément de mal, oui, avec ça. Moi, j'aurais tendance à dire que cette nana, elle est jeune, hein, beaucoup plus jeune que toi, d'ailleurs. Hein. Toi, là, à mon avis, tu as au moins 40 ans. Au moins. Si, il y en a, c'est plus. Mais ce genre de nana cache beaucoup de choses concernant un ex à toi. Si. Déjà, ça, ensuite, j'envoie un autre. Et comme si ça suffisait pas, lui aussi. Mais lui, j'aurais tendance à dire qu'il apprend pour un con. Ouais, il apprend grave pour un con, ce mec-là. Bon. Mais ce genre de nana va payer cher. Ah, hein. Si. Elle va devoir. Oui, parce que ça va se savoir, je te dis. Tu vas l'apprendre de la bouche du chevalier. Si. Qui te dira, eh ben, depuis X temps, ils étaient ensemble. Si. Et ensuite, tu vas tomber de ta chaise. Ensuite, bon, elle, tu vas la rayer de la carte de l'univers. Ensuite, tu seras en couple avec le beau chevalier et vous serez très heureux. Par contre, elle, tu lui parleras plus jamais. Non, 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 parce que à mon avis, elle sait qui t'a fait extrêmement du mal. Moi, je pense qu'ils se sont revus. Je me demande d'ailleurs si t'as pas largué, si c'est pas à cause d'elle. C'est un peu ta doublure, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ouais, tu vois? Un peu une doublure de toi, tu vois, en plus jeune, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Qui a pris tes restes, quoi. Mais le problème, c'est que il est violent, il est possessif, il a rien de bon ce mec en lui. Non, il est pas gentil, d'accord? Il connaît pas ce que c'est. L'amour pour une femme. Non, 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 non. Non, il te met des baffes dans ta gueule. Il t'empêche de travailler. Tu vas me fermer à la maison à double tour. Mais si, avec ce genre de mec ou de nana, si. Il est infidèle. Mais si. Mais elle croit que ça va changer avec elle.